J'ai choisi le métier de thanatopraxie par curiosité d'abord. Quand j'avais arrêté les études en troisième, donc je cherchais du travail. J'ai tapé un peu partout. Un jour, je suis partie à la morgue, j'ai croisé un monsieur, monsieur Assoumo Benoît. Je lui ai dit, papa, je cherche du travail. Il m'a dit, ah, toi petite comme ça, tu peux travailler à la morgue. Je lui ai dit, papa, il n'y a pas de problème. Même si c'est balayé, je vais le faire. En ce moment, il ne savait même pas qu'il y a un travail qu'on appelle thanatopraxie, je ne connaissais pas. Donc lui, il m'a dit, ah, ce travail, c'est les garçons qui le font. Va réfléchir et puis tu viens. Donc quand il a réfléchi, je n'ai pas dit à quelqu'un, je suis venu le voir, il dit, ah papa, ce que les garçons font là, moi je vais essayer. Il a dit, d'accord. Donc au cours d'une réunion à Yamsoukro, il a parlé à notre PDG, père à son âme. Donc le patron a dit, ah, comme c'est la seule femme qu'elle vienne sur Abidjan. Donc c'est en 2004 que je suis venu à Abidjan pour qu'on puisse me former. Mon travail consiste à faire l'embaumement de corps. J'avais dû faire le formol, entretenir les corps jusqu'au jour de leur enterrement. Quand le parent vient, il faut qu'il soit satisfait. Il y a des corps, quand ils viennent, c'est un peu bizarre. Il ne faut pas le jour où le monsieur va revenir, ou bien la dame va venir voir son corps, il trouve le corps dans le même état, ce n'est pas joli. Quand il vient, il faut qu'il dise, ah vraiment, on dirait qu'il dort, vraiment, je suis rassuré. Quand c'est comme ça, tu sais que ton travail est bien fait. Ma première expérience n'a pas été facile. Comme tout travail, le début n'est pas facile. Surtout pour nous, c'est des corps. Rester seul avec un corps, quelqu'un que tu n'as jamais vu, ça n'a pas été facile. Donc comme je voulais faire ce travail, ils m'ont laissé, ils sont sortis. Ils m'ont dit qu'il faut te débrouiller. Je me suis débrouillé aussi. Au moins, ils vont venir, j'ai fini de traiter, j'ai lavé. Puis ils sont venus mettre dans le drap, ils m'ont mis en casier. Ils sont allés dire au monsieur que ah, vraiment, elle a pu faire le travail. Quand d'autres parents viennent nous demander si le corps ne nous a pas parlé, ou bien s'il y a des fantômes ici, ou bien si on boit avant de faire ce travail. Quand on arrive à la maison, si on arrive à manger, si on arrive à dormir, si on fume la drogue, si on fait ça, ils disent que si on fait ça, les yeux clairs, ils disent oui. Moi, je ne bois pas pour faire mon travail. Je suis dans ma 17e année, un corps ne m'a jamais parlé. Aussi, je n'ai jamais vu de fantômes. Quand je dors, je fais des cauchemars, ça, je n'ai jamais fait ça. Je fais mon travail, une fois j'arrive à la maison, c'est ma vie normale, le lendemain je viens, c'est le travail. Ça nous arrive souvent de pleurer, surtout quand c'est des bébés de 2 ans, 3 ans, les nouveau-nés, vraiment. Mais on ne pleure pas en présence des parents, c'est à l'absence des parents. Quand ils sont partis, on est en train de faire notre travail, puis on est, tu regardes cet enfant-là. Tu te dis que c'est ton enfant, ça peut être l'enfant de ta soeur, ta petite soeur. Vraiment, je suis sensible, mais je le fais. C'est mon travail que j'ai choisi. Si je ne le fais pas, ce n'est pas bon. Oui, je suis très fière de faire ce métier. Je suis très fière. Parce que je vois que ma curiosité a payé. Étant la seule femme parmi les hommes pendant 17 ans, je n'ai jamais été sanctionnée. Et puis, je n'ai jamais eu de demande d'explication. Il n'y a pas un patron qui est venu me dire « Non, Béa, tu as fait ce travail, ce n'est pas bien fait. » Vraiment, je suis très, très, très fier de moi-même. Les gens disent qu'on fait un sale boulot. Ce n'est pas un sale métier, c'est un métier noble. Ce métier, s'il n'y a personne pour le faire, qui le fera? Thank you.